Nous redoutons également les coûts considérables que cette concertation révélera au fil des mois. Ils seront, nous le savons déjà, hors de prix pour le budget de l'Opéra et de nos tutelles. Hors de prix pour notre futur personnel qui devra subir le désengagement de notre gouvernement prompt à réformer sans contenu et surtout sans moyens. En fin de compte, il nous semble avoir déjà fait l'inventaire de tous les problèmes que révèle l'application de cette réforme mortifère pour le futur rayonnement de l'Opéra National de Paris. Ces questions sont aujourd'hui dénaturées au travers d'une communication fragmentaire que nos tutelles diffusent. Nous regrettons que notre propre travail serve l'argumentaire détourné d'un gouvernement qui n'a pas préparé sa partition et devrait s'abstenir de la jouer avec si peu de travail et de talent. En attendant, nous préférons exécuter la nôtre en exprimant notre solidarité comme nous l'exprimons encore aujourd'hui. L'apaisement que cherche le gouvernement est pourtant possible. Une suspension et un report de ce projet de réforme nous semblent raisonnables pour qu'enfin, un travail sérieux. Et négocier puisse se mettre en place et nous permettre d'aller plus loin le cas échéant. Dans l'espoir que la prochaine année apporte raison et mesure à nos ministères, nous vous souhaitons à tous une très belle année. Bonjour à tous. En même temps qu'il y a ce petit concert, il va y avoir une remise symbolique du chèque de la Caisse Solidarité Infocom CGT. Voilà, on remercie l'ensemble des Français qui cotisent à cette caisse en permanence et qui permettra aux acteurs de lutter contre cette réforme. Bonjour à toutes et à tous, c'est une fierté pour nous d'être là aujourd'hui. Quelques petits mots pour vous dire que cette caisse de solidarité, c'est avant tout la caisse des donateurs et donatrices qui, par dizaines de milliers, viennent tous les jours nous donner un peu plus pour qu'on le tienne encore plus longtemps et qu'on aille gagner enfin tous ensemble. Oui. On est ensemble. C'est une fierté pour nous d'être présents aujourd'hui parce que c'est l'exemple même de ce qu'il faut faire partout, refuser des accords par type d'activité, mais aller arracher une victoire commune du tous ensemble pour le retrait pur et simple de ce projet. Nos âmes ont pour nous, mais on est aussi nos enfants. Oui. Chaque jour qui passe fait que la personne qui nous méprise au plus haut point devient de moins en moins quelque chose. Nous devenons tout et demain elle ne sera rien. Oui. Merci à vous toutes et à vous tous. Thank you.
Comme la RATP, comme la RATP.